Et salut à tous, c'est Benoît et donc aujourd'hui, vous l'aurez donc bien compris, on se retrouve pour une vidéo de présentation de ma chaîne YouTube. Alors vous allez me dire, ça fait déjà 1 an et 3 mois que tu fais des vidéos. Oui, c'est vrai que ça fait tout ce temps que je fais déjà des vidéos. Mais si vous réfléchissez bien, de toutes ces vidéos et depuis tout ce temps que j'ai commencé à faire des vidéos, je n'ai jamais présenté ma chaîne YouTube. Alors je me suis dit, il est peut-être temps que je le fasse. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, que je sais pas combien de temps elle va me prendre exactement, je vais vraiment vous expliquer et vous présenter ma chaîne YouTube. C'est parce que je l'ai jamais fait et franchement, je trouve que c'est quelque chose de très utile. Alors je vais essayer de ne rien oublier. Il n'y aura pas énormément de montage, enfin quoique, je verrai bien. Donc déjà, ce que vous voyez à l'écran est ma nouvelle illustration de profil. Alors vous allez me dire, c'est assez chelou. Je sais bien, c'est assez chelou. Mais en fait, ça regroupe en gros tout ce, enfin en gros, hein. Pas tout, mais plus ou moins tout ce que j'ai envie de faire en vidéo comme projet. Voilà. Tous les jeux que vous voyez affichés à l'écran là sont des jeux que j'ai envie de vous présenter en vidéo, mais pas juste vous présenter. J'ai vraiment envie de jouer sur presque tous ceux qui ont existé. Par exemple, vous pouvez voir à l'écran Need for Speed, Battlefield, Call of Duty. Mais j'ai envie de tester presque tous les jeux qui existent. De ce jeu, tout simplement. Je trouve pas le bon terme, en fait. Tous les épisodes, je sais pas si on peut appeler ça vraiment comme ça, de ce jeu. Peut-être pas tous, mais la plupart. Et à chaque fois qu'il y en aura un nouveau qui sortira dans chacune de ces catégories, et je le testerai. Mais on commencera par des anciens. On n'est pas encore là tout de suite, hein. Pour le moment, comme vous pouvez le voir à l'écran, les seuls jeux que j'ai testés et qui y sont, c'est Trial Evolution et Minecraft. Bon, j'ai mis Trial Evolution, mais il y aura aussi Trial Fusion par la suite. Pas pour tout de suite. Donc bref. Ça, c'est pour ce qu'il en est donc de l'illustration et des jeux que je compte vous présenter. Et donc maintenant, expliquons un peu le contenu de ma chaîne et de mes projets à venir. Donc évidemment, une grosse partie de ma chaîne YouTube sera consacrée à Minecraft. Minecraft, donc, que dire de ce jeu? Un jeu qui pour moi, c'est mon jeu préféré. Simplement le jeu auquel je joue le plus. Et sur lequel je pense que je vais vous faire le plus de vidéos. Je pense qu'environ 50% de mes vidéos seront penchées sur Minecraft. Plein de séries, j'ai plein de projets sur Minecraft. J'ai plein d'idées de séries. Déjà, j'en ai déjà fait quelques-unes. Hein. Donc, déjà, l'aventure Minecraft, Benoît versus Dexios, qui sont des anciennes séries. Actuellement, on a le Let's Play Minecraft avec aussi le MMORPG Minecraft. Donc, c'est deux séries en cours. Mais ce ne sont pas les seuls, j'en ai encore plein de prévus. Vous pouvez pas savoir, je vais pas vous les dire, hein, c'est des surprises. Des surprises, hein. Voilà. Et j'ai aussi beaucoup de projets sur des aventures Minecraft avec les membres de ma team YouTube. Membres que je n'ai encore jamais présentés d'ailleurs. Je comptais le faire dans une vidéo prochainement, pas trop tard, je pense. Je ferai une nouvelle vidéo détente avec ma team YouTube, comme ça, histoire d'un peu les présenter, que vous les connaissiez un peu, et qu'on s'amuse simplement pour qu'ils soient un peu, qu'ils fassent vraiment partie de ma chaîne, parce ils sont vraiment jamais apparus dans mes vidéos, à part un mec que vous connaissez bien, c'est Dexios. Si vous ne le connaissez pas, c'est que, à mon avis, vous êtes assez récent sur la chaîne. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, je vais un peu vous parler de ma team YouTube, tant que j'y suis. Alors, ma team YouTube, Dexios, je n'ai pas vraiment besoin de vous le présenter, hein, résumé, donc le mouton à lunettes, hein, voilà, donc. Assez simple, avec qui j'ai déjà fait pas mal de vidéos et avec qui je fais les fameux BD, qui d'ailleurs je continuerai, hein, donc allez les voir si vous ne les avez pas vus, ça vaut vraiment le coup je pense. Oui, donc les BD, il y en aura encore, c'est pas énormément, enfin si, il y en aura encore beaucoup, enfin, mais on n'en fait pas régulièrement, voilà, on en fait vraiment un quand on est chaud et qu'on a envie d'en faire un, enfin bref, maximum un par mois quoi, à mon avis des BD quoi, il y en a eu que 4 depuis le début de la chaîne, donc ce n'est pas énorme. Donc Dexios, voilà, donc vous savez bien qui c'est. J'ai encore plein de projets sur Minecraft avec lui plus tard. Il sera certainement là dans des BD, comme je vous l'ai dit, des vidéos détente. Et aussi certainement dans des vidéos sur tous les jeux que vous voyez à l'écran ici. Il sera présent dans beaucoup. Alors ensuite, je pourrais vous présenter le petit Deslek qui a ouvert sa chaîne YouTube il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et qui débute plutôt bien avec seulement une seule vidéo sur Minecraft. J'ai plein de projets avec lui. Il est encore un peu novice, hein, sur Minecraft, hein, par contre, lui. Encore assez novice, ouais, mais j'ai plein de projets avec lui aussi sur des séries Minecraft. J'ai quelques idées et il est assez motivé pour les faire, mais il faudra encore attendre un petit peu de temps, je pense. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de lui? Ouais, lui, franchement, il joue beaucoup à
À Grand Theft Auto, c'est vraiment, je pense, le jeu auquel il joue le plus. Minecraft, il y joue un petit peu aussi. Voilà, je pense pas qu'il joue à énormément autre chose en fait quand j'y pense. Et Grand Theft Auto, c'est vraiment un accro de ce jeu, le gars. Mais je ferai peut-être bien plus tard quand je commencerai Grand Theft Auto des vidéos avec lui. Mais chaque chose en son temps, hein, je présenterai chaque série de chaque jeu une par une après Trial Evolution. Et Trial Fusion, hein, donc après Trial Evolution, je ferai Trial Fusion. Puis quand là j'aurai fini la série des Trials, je commencerai une des autres séries. Je ferai tous les épisodes de cette série, de chacun de ces jeux, de ce jeu. Putain, ça veut rien dire. Putain, je m'en mêle, vous devez rien comprendre à ce que je raconte. En gros, par exemple, si je prends Medal of Honor, prochainement, après Trial Evolution et Trial Fusion, eh bien, je ferai tous les jeux de Medal of Honor. Avant de passer par exemple à Need for Speed, par exemple. Et si jamais un jour il y a un autre Medal of Honor qui sort, eh bien je le testerai par la suite. Voilà. J'espère que vous m'avez compris. Voilà. Et donc quand je testerai Grand Theft Auto, ben, je ferai certainement des vidéos avec lui parce qu'il adore ce jeu. Voilà, alors on peut continuer. Alors après le petit Deslec, ben, nous avons pour finir le petit Roxas. Donc le petit psychopathe, on peut dire ça comme ça. quelques projets avec lui aussi, notamment pour une chaîne secondaire que je vous en ai jamais parlé, mais je compte ouvrir une chaîne secondaire avec Roxas. C'est un grand projet que j'ai avec lui. Alors comment vous expliquer ça? Je vais pas trop vous en parler maintenant, mais en gros pour vous mettre au courant, ça serait une chaîne un peu fan, on va dire. On peut dire ça comme ça, ouais. Une chaîne un peu de fan, parce qu'en fait lui et moi, on est tous les deux fans donc du fameux univers donc de How to Train Your Dragon. Donc un film de DreamWorks assez connu, qui est leur meilleur film d'ailleurs, qui est sorti. Et franchement, nous on est plus que fans de ça. Que ce soit du 1, que ce soit du 2, que ce soit de la série, des jeux, enfin bref, tout ce qui est en rapport avec ça, on adore, on est fan et on compte faire une chaîne YouTube pour rendre hommage donc à ce fameux univers dont on est amoureux. Bref, je pense que ça, ce projet sera prévu pour les 150 abonnés. Donc il en manque encore 29. Ensuite, parlons un peu plus. Donc Minecraft, plein de séries à venir, comme je vous l'ai dit. Parlons un peu plus maintenant de Medal of Honor, par exemple. Medal of Honor, donc que je testerai évidemment, oui, par la suite, ça sera. Franchement, pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de tester Medal of Honor? Bah, tout simplement parce que c'est avec ce jeu que j'ai joué pour la première fois un FPS. J'avais 7 ans quand j'ai joué pour la première fois un FPS et c'était Medal of Honor. Donc j'ai vraiment envie de rendre honneur à ce jeu. Tout simplement. Après, j'ai pas vraiment réfléchi dans quel ordre j'irais, mais si on prend Need for Speed, ben Need for Speed pour moi c'est vraiment un jeu qui a eu beaucoup beaucoup de jeux. Et j'adore les Need for Speed, franchement c'est un jeu. Parce que j'adore les jeux de voiture, hein. J'ai commencé les jeux vidéo avec ça, avec des jeux de voiture. J'ai plutôt commencé avec WRC, donc un jeu de rallye. Je vous présenterai peut-être un jour avec un autre. Parce que je ne présenterai pas que les jeux que vous voyez là. Je présenterai d'autres jeux, mais pas toute la série par exemple, vous voyez. En fait, je vais déjà en venir au terme tout de suite. Ce que je comptais vous faire, c'est créer Ok, d'accord, je trouve pas. Un concept, rien qu'à moi. Oui, un petit concept qui. Enfin, un gros concept même, que je n'ai jamais vu sur aucune autre chaîne YouTube, et que je comptais appeler The Enduring. Avec le bel accent anglais. The Enduring. Alors qu'est-ce que c'est The Enduring? Eh bien en fait tout simplement c'est une pas vraiment une série, mais plutôt des événements que je compte faire pour chaque jeu. Ou presque. Pour presque chaque jeu. Ou plutôt pour presque chaque série. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est The Enduring? C'est tout simplement une vidéo, d'où son nom, d'endurance. J'ai envie en fait de faire. Pour clôturer chaque série, une longue vidéo de plusieurs heures, de 5 à 10 heures, 5 heures minimum, 10 heures maximum, je pense, qui servirait en fait à clôturer une série. Par exemple, j'ai dans mon programme, quand j'aurai fini le Let's Play Minecraft, de faire un dernier épisode spécial en The Enduring. Le premier épisode du The Enduring, je sais pas quand est-ce qu'il sortira. Sortira, pff, ok. Je sais pas trop quand est-ce qu'il sortira, mais. Ça sera certainement sur Minecraft. Non, pas sur Minecraft le premier. Je pense que le premier The Enduring, ce sera sur Trial Evolution. Quand j'aurai fini Trial Evolution et tout ce que je voudrais vous présenter sur ce jeu, je ferai un petit The Enduring, le tout premier je pense, qui sera donc sur Trial Evolution. Donc le premier épisode de The Enduring sur Trial Evolution.
Et après ce The Enduring, normalement, à moins que ce soit pour des vidéos détente, délire ou BD ou je ne sais quoi, il n'y aura plus jamais de vidéo sur Trial Evolution. Voilà, normalement. Et donc je comptais faire ça pour chaque truc. Par exemple, le Let's Play Minecraft, dernier épisode, une vidéo de plusieurs heures, voilà. Hop, voilà, on clôture et voilà, on a fini notre aventure Minecraft. Notre Let's Play, l'aventure c'était avant. Notre Let's Play Minecraft, et maintenant on va faire une nouvelle série. Je ferai ça pour presque chaque jeu. Et aussi, un autre truc, je compte faire aussi certainement des The Enduring sur des jeux assez courts. Par exemple, je vais vous en afficher deux à l'écran que je pense. Des jeux pas très très connus, même pas du tout. Qui est par exemple La Grande Évasion et. Contra Shattershoulder, je sais pas si je le prononce bien. C'est deux jeux que j'ai envie de vous présenter, mais pas qui ne valent pas le coup d'être présentés. Enfin bref, ça veut dire que j'ai pas envie de faire une série là-dessus, ça vaut pas le coup. Donc vous faire un petit The Enduring, parce que les The Enduring c'est un peu comme des défis pour moi. Vous allez retenir longtemps sur la vidéo, s'amuser, essayer de finir le jeu en une vidéo très longue. Et en fait, ces deux jeux-là sont des jeux qui se finissent très rapidement. Qui sont un peu nuls, entre guillemets, je vais vous dire. Enfin, La Grande Évasion n'est pas nul, mais il est buggé à crever. C'est drôle, c'est buggé, c'est mal fait, mais ça en devient drôle. Mais c'est le jeu en lui-même est drôle, donc bien fait, donc ça va. Et Contra Shattershoulder, c'est un jeu assez hardcore gamer qui fait un peu penser au jeu sur les vieilles machines qu'on trouve dans les cafés, comme ça. Ça fait un peu penser à ça, enfin bref. On n'en est pas là tout de suite. Mais des The Enduring, il y en aura plein. Je pense que je ferai même un The Enduring sur WRC. Le 4 même en question, celui que j'ai. Voilà, donc c'est tous des petits trucs comme ça qui viendront par la suite se rajouter pour chacune de mes séries. Et donc il y aura The Enduring hashtag 1, hashtag 2 qui continueront comme ça. Voilà, donc ça sera généralement soit pour clôturer donc une de mes séries, ou soit pour faire un mini let's play. Une épopée, on peut dire ça comme ça. Une épopée. Sur un jeu, simplement en une vidéo. Et si jamais j'ai pas le temps de le faire en une seule vidéo, par exemple, si je veux vous présenter la Grande Évasion en The Enduring, bah, si j'ai pas le temps de le faire en un seul The Enduring, j'essaierai de le faire en deux, c'est possible aussi. Donc voilà, continuons, j'en étais où? Oui, donc Medal of Honor, il y aura évidemment des The Enduring sur presque chaque Medal of Honor. Alors pourquoi je ne vais pas faire un The Enduring sur chaque? C'est parce qu'en fait, j'aimerais bien faire ça pour clôturer. C'est-à-dire, j'ai fini le jeu, voilà, j'ai fini de présenter tout ce que je veux. Maintenant, on va se divertir sur le jeu en faisant un The Enduring, en faisant n'importe quoi, en s'amusant. Mais maintenant, il y a certains jeux, c'est impossible de faire ça. Par exemple, je pense à certains Medal of Honor, c'est bien après vous avoir présenté toutes les missions du jeu, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ouais, on pourrait refaire le jeu, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc, c'est pour ça que c'est seulement quelques Medal of Honor. Pour Need for Speed, je suis même pas sûr. Sauf pour les plus avancés, sur PS3 il y aura du multi, tout ça là, d'accord. Mais pour tout vous dire, Medal of Honor et Need for Speed, j'en ai aucun sur PS3. Donc ceux sur PS2, je pense que ça sera plutôt une redécouverte et en même temps une présentation. Parce que ça fait super longtemps que j'ai pu jouer, donc on peut parler de redécouverte. Et après je m'achèterai ceux sur PS3 et là je les découvrirai et voir ce qu'est devenu Medal of Honor parce qu'apparemment il a un peu perdu sa popularité en passant sur plateforme PS3 et PS4. Mais enfin bon, je testerai quand même. Donc Need for Speed aussi, que je ne connais pas sur PS3. Après, je peux parler des Gran Turismo, qui pour moi sont des jeux de le meilleur jeu de voiture au monde, tout simplement. Le 4, que j'ai déjà beaucoup joué, mais que je recommencerai avec vous. Et le 5, certainement. Les autres, je pense pas que j'y toucherai. Mais enfin bon, pour chaque jeu, j'ai oublié de vous le dire ça d'ailleurs, pour chaque série que vous voyez là à l'écran, en dehors de Trial Evolution et Minecraft, je ferai une vidéo introduction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant de commencer la série, je ferai une introduction où je présenterai tout. Alors on va prendre l'exemple de Medal of Honor qui je pense sera le premier. Je ferai une vidéo où je présenterai tous les Medal of Honor qui ont existé. Donc en commençant par le plus ancien, sorti en 1900, je sais plus quand. Enfin bref, j'expliquerai tout ça dans la vidéo d'introduction. Et je vous les présenterai tous, du plus ancien au plus récent. Et à chacun, après l'avoir présenté, je dirai, enfin j'afficherai, enfin je sais pas encore vraiment comment je m'y prendrai, mais je dirai, celui-là sera testé et celui-là ne sera pas testé. Comme ça, vous verrez lesquels je présenterai en vidéo et lesquels ne seront pas présentés en vidéo. Alors généralement, ceux qui ne seront pas présentés, ce sont ceux genre sur PS1, ou ceux qui ont vraiment eu des notes moisies, ou ceux, ouais voilà, vraiment ceux comme ça quoi. Et ceux qui ont eu des bonnes notes et qui sont sur PS2 et PS3, je pense que je les testerai. Donc ça, c'est valable pour
tous les jeux que vous voyez ici à l'écran, en dehors de Trial Evolution et Minecraft, car je les ai déjà commencés, donc ça vaut pas trop la peine. Enfin, j'ai Trial Evolution, mais Trial Fusion aussi sera là, mais ça, j'ai pas besoin de faire une vidéo introduction. Voilà. Ensuite, donc Gran Turismo, oui, qui est pour moi un jeu génial. Je voulais à peu près passer en revue. Alors, Tomb Raider. Alors, j'adore Tomb Raider pour plusieurs raisons. C'est que c'est un des seuls jeux, pour moi, qui s'est regroupé plein de choses à la fois. Comment dire ? Plein de principes à la fois dans le jeu. Il y a à la fois de l'action, une histoire, de la stratégie avec des énigmes, de la réflexion, ça j'adore. Voilà, et ça j'adore pouvoir réunir tout ça en un seul jeu. C'est difficile de réunir tout ça en un seul jeu. Et ce jeu-là l'a fait, c'est pour ça que je l'aime autant. J'en présenterai pas beaucoup, je préciserai donc dans la vidéo d'introduction de cette série. On n'en est pas encore là, à mon avis. Après, j'ai mis Skyrim. Alors, je sais bien que la série complète, c'est The Elder Scrolls, mais je ne testerai que Skyrim. Alors, plusieurs épisodes de Skyrim, peut-être, on verra bien. Mais j'ai pas envie de tester les premiers, tout simplement, parce que pour moi, les premiers n'ont pas du tout assez de succès par rapport au cinquième. Donc, je testerai les... peut-être pas tous, mais on verra bien d'ici là, les Elder Scrolls 5, donc de Skyrim. On n'en est pas encore là. Après, il y a aussi Battlefield. Alors, Battlefield que je testerai, donc je testerai pas beaucoup d'anciens Battlefield. Je testerai vraiment beaucoup de récents, je pense. Voilà, simplement, je n'ai pas vraiment de raison particulière. Après, on a Grand Theft Auto, un GTA. J'en testerai pas énormément non plus, mais quand même quelques-uns. Hein, on va quand même reprendre les plus grands classiques, je pense, si on doit parler des plus grands classiques qui existent aujourd'hui de GTA, je pense qu'on peut parler de GTA San Andreas, GTA 4 et GTA 5. Je pense que j'en rajouterai 2-3, peut-être, mais c'est vraiment les 3 plus principaux que je testerai, ça c'est sûr à 100%. Mais je ferai une vidéo aussi, introduction, pour expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Et pour finir, bah, Call of Duty, alors pour moi, j'adore, il y en a plein qui détestent Call of Duty, mais moi j'adore Call of Duty. Pourquoi j'adore Call of Duty? Parce que moi... Bon, je vais quand même le dire maintenant, je suis un hardcore gamer. Alors, on peut le dire ça comme ça. J'adore jouer aux jeux vidéo dans le sens super difficile. C'est d'ailleurs pour ça que Trial Evolution, je vais le faire en 100% platine. Medal of Honor, je pense que je le ferai en difficulté difficile. Need for Speed, tout le temps premier. Tomb Raider, difficile. Gran Turismo, toutes les courses. Skyrim, certainement difficile aussi. Battlefield également. GTA, je sais pas si la difficulté. Et Call of Duty en mode vétéran. Voilà. J'ai vraiment envie de vous faire tout ça en hardcore gamer. Et Call of Duty est un jeu, est le meilleur jeu hardcore gamer au monde pour moi. En multijoueur, ce n'est pas pour me la péter, je suis sérieux, je suis super fort. Vous verrez tout ça quand on y arrivera. En espérant qu'il y aura encore des joueurs sur tous les Call of Duty quand j'y serai, parce que le temps qu'on y arrive. J'ai envie de vous présenter tous, moi j'ai envie de vous présenter Modern Warfare 1, le 2, Black Ops. Ben, d'ici là, est-ce qu'il y aura encore des joueurs dessus? Je l'espère. Certainement, mais plus beaucoup. Mais j'aimerais bien vous présenter mon skill en multijoueur aussi d'ici là. Enfin bref. Alors je réfléchis si j'ai bien tout dit. Donc il y aura toujours évidemment les fameux BD, donc les séries sur ces jeux-là, les séries Minecraft, des séries multijoueurs. Voilà, des vidéos détente par-ci par-là, parfois de temps en temps, ça sera pas très très fréquent. Donc des vidéos spéciales, des vidéos bonus. Alors les vidéos bonus sur ma chaîne, c'est vraiment des vidéos qui sont hors contexte complètement. Regardez le dernier, c'était vraiment une curiosité de ma part, je vous avais posé que vous regardez comme série. Bah, c'était hors contexte, celle d'avant, c'était quoi? Ah oui, où je vous ai présenté le début du sketch Minecraft que j'avais fait avec Dexios. Voilà, c'est vraiment hors contexte, donc je vous le mets en bonus. Et j'ai encore quelques petits bonus, enfin bref, ça viendra tout seul, hein. Voilà, tout simplement, ça viendra tout seul, donc j'ai pas, c'est pas préparé, j'ai pas de projet bonus spécialement, voilà. Donc c'est vraiment quand j'ai envie de vous partager un truc qui est hors contexte. Eh bien écoutez les gens, sur ce, je pense que j'ai fini vraiment la présentation de ma chaîne en détail. Donc comme vous le voyez, j'ai pas mal de projets devant moi, je suis loin d'abandonner, vraiment très très loin. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne après-midi ou une très bonne soirée. Et on se retrouvera donc pour, normalement, le prochain épisode de Trial Evolution ou du MMO RPG Minecraft ou même la vidéo détente de présentation de ma team, comme je vous l'ai si bien dit. Allez, je vous dis à très très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et ciao ciao tout le monde!